Tom Boonen remporte sa deuxième victoire sur la Vuelta au terme des 186 km de la 16e étape. Le peloton a manifesté sa mauvaise humeur en roulant à 15 km/h seulement lors de la première heure de course. Deux hommes se sont échappés assez rapidement et vont compter jusqu'à 9 minutes d'avance sur le peloton avant que les Quick-Step et les Astania ne se mettent à rouler. À 85 km de l'arrivée, tout le monde est détendu et un coureur de la Rabobank chippe le drapeau d'un supporter américain. Et c'est finalement à 7 km de l'arrivée que la jonction est faite avec les deux fuyards. Les équipes de sprinteurs peuvent se mettre à l'ouvrage. Et c'est finalement Tom Boonen qui va donc s'imposer en costaud. Filippo Pozzato prend la deuxième passe. Et le français Michael Delage de la Française des Jeux termine quatrième pour sa première participation à un sprint massif sur un grand tour. Pas de changement au classement général. Alberto Contador reste détenteur du maillot de Euro malgré sa chute hier. Le classement général après la 16e étape. On retrouve les deux coureurs d'Astana au sommet avec Alberto Contador et Lévi Lepaimer. David Mancuti est le premier français du classement à la 9e place.